Votre véhicule dispose d'une fonction qui évite de passer accidentellement en marche arrière lors du passage d'une vitesse avant sur une boîte manuelle. Il s'agit de l'anneau de verrouillage de marche arrière. Si votre véhicule est équipé d'une boîte manuelle, assurez-vous que votre véhicule est complètement immobilisé avant d'essayer de passer en marche arrière. Enfoncez complètement la pédale de frein. Ensuite, enfoncez complètement la pédale de débrayage pour la désengager et passez au point mort. Puis, avec les doigts, tirez vers le haut le collier situé sous le pommeau du levier de vitesse. Déplacez le levier de vitesse à fond vers la gauche, puis vers l'avant. N'oubliez pas que pour passer en marche arrière, vous devez relever l'anneau de verrouillage. Il empêche la transmission d'enclencher accidentellement la marche arrière quand vous voulez passer en première. Si la marche arrière ne s'enclenche pas, appuyez sur la pédale de débrayage, passez au point mort, relâchez la pédale de débrayage, puis recommencez l'opération.